Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gromano pour la suite du let's play de The Realm d'Amalie Reckoning. Donc dans la vidéo précédente, nous avions découvert les jardins d'Isa, cet endroit assez sympathique quand même, il faut le dire. On a parlé au roi là, et je me souviens plus du tout de quoi ça avait parlé, donc... Ouais, c'est beau, le truc qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, c'est beau. Donc en fait j'ai le choix d'aller soit avec notre ami Aninshir, soit avec... Enfin, notre ami, entre guillemets, soit avec Agarth. Je ne sais pas. Alors, je vais quand même me renseigner un petit peu avant pour savoir qu'est-ce qu'il faut choisir. Et en fait, il paraît que on va faire les deux, finalement. Donc, je vais commencer par la sexy lady, là. Attendez, il y avait un bouton, je sais, pour mettre la vue. C'est pas grave. Qui eût cru que vous seriez aussi intéressant? La mort vous va si bien. Agarth cherche une issue, le Nairalim cherche un sauveur, et Titarion cherche un champion. Dans un certain sens, vous donnez à chacun ce qu'il souhaite. Je suis impressionné. J'ai besoin de toute l'aide possible. Vous avez raison. Ce ne sera pas facile. Les Tuatha assiègent nos forces à Mel Senshir, et leur puissance n'a fait que grandir au fil des années. Le vieux tisseur du destin et moi ne vous suffiront pas. Il vous faudra une armée. Comment y accéder ? Gatflo attend derrière des montagnes escarpées, des forêts marécageuses et des détroits troublés. Nous devons briser le siège de Mel Senshir pour pouvoir l'atteindre. Mais nous ne serons pas seuls. Dans les plaines d'Eratel attend une personne qui est restée à l'écart des combats bien trop longtemps. Il est temps de contacter la générale Tilera. Retrouvez-moi dans le village des Maïrés, et je vous dirai tout. Ok. Passez votre chemin. On peut parler aux deux de toute façon, je crois. On va voir. Bon. Je vais voir la carte. Où est la suite? Emer, c'est où? Emer. Sans faire de mauvais jeu de mots, évidemment. Je ne sais point. Peut-être vers là. Bon. Attendez. Voilà. Parce que là, j'ai enfin... Ah, c'est ici. Ok. On va parler, bah, gare, finalement. Hein. Je ne comprenais pas la moitié de ce que disait le roi. Mais j'ai l'impression que vous avez du pain sur la planche. Ah bon? Heureusement que vous ne serez pas seul. D'ailleurs, je pense même avoir une piste pour retrouver l'un de nos vieux amis. Quel vieil ami. Ce bon vieux Hugle Fomorien, bien sûr. Si quelqu'un peut vous aider, c'est bien le gnome qui vous a ramené à la vie. C'est pas faux. Je me suis renseigné, et j'ai pu contacter son supérieur. Il pense pouvoir nous aider à retrouver Hugle. Hugle le Fomorien est mort. Non, c'est un vieux renard rusé. S'il a su échapper à ses assassins dans le labo, je suis sûr qu'il aura trouvé une bonne cachette. Et si quelqu'un sait où il aurait pu trouver refuge, c'est bien le Templier qui subventionnait ses recherches. Il s'appelle Octienné. Partez vers le sud-est et les Landes Creuses. Octienné vous y attendra pour discuter d'un moyen de retrouver Hugues. Vous n'êtes pas le seul sur la piste d'Hugues. Octienné a suivi sa trace dans les Landes Creuses en détiré. Vous devez lui parler. Ok, alors, voyons voir lui maintenant, On va attendre. Non, c'est bon. Où est-ce qu'il faut aller pour lui? Il faut aller ici. Ok. Je sais pas du tout si cet endroit-là est super dangereux ou pas. C'est... Je sais pas. Soit je... De toute façon, il va falloir les faire les deux. Donc, hein. J'ai peur que ce soit un niveau un peu au-dessus. Vous voyez, on change complètement de continent, entre guillemets, enfin, de continent, de pays, on va dire. Alors que là, c'est toujours le même pays, mais plus grand, les plaines d'Eratel. Donc, En fait, non. Dalentar, c'est tout ça. Les plaines d'Eratel... Bah, en fait, voilà, je sais pas trop quoi faire. Mais tout, on va faire, nous, déjà. On va sortir de là. Et, on va récupérer la quête qu'il y avait dehors. Donc, faut savoir que cette session sera assez courte. Parce que je fais ça un peu tard malheureusement, faut pas oublier que j'ai un travail. Mais on va faire les quêtes secondaires qu'il y a dans les jardins.
Ah, il y avait une quête ici, on va voir ce qu'elle vaut. Vous ne resterez pas. Personne. J'adore les phrases qu'il lâche, les BNG. J'ai beaucoup de place dans mon inventaire, ou bon, pas trop. Oups. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je ne sais que faire. Oh, voilà quelqu'un d'autre. Oh, un mortel. Je ne crois pas que... Mais je devrais peut-être. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Dites-moi, être éphémère, que diriez-vous de gagner un peu de votre métal brillant? Comment dites-vous déjà? Ah oui, de l'or. Vous voulez en gagner un peu? Je suis toujours prêt pour gagner de l'or. Mon rôle est d'organiser les visites des ambassadeurs et des dignitaires à la salle des audiences lorsqu'ils visitent la cour d'été. En ce moment, quatre dames et seigneurs royaux souhaitent voir le haut roi Titarion. Mais ils ont d'humeur fantasque et requièrent un peu de... diplomatie. Ils doivent se rendre à la fontaine en procession. Mais chacun a ses préférences et je ne veux en offenser... J'ai rien compris pour le moment. Je vais vous aider, hein. Merveilleux. Vous m'ôtez une belle épine. Merveilleux. Merci. Prodigieuse idée. Les dignitaires sont partis dans les jardins pour profiter de leur splendeur. Je vais rester ici en attendant vos conseils. Ok. Où sont les dignitaires? Gornet est dans la salle des audiences, mais les autres sont partis en ville. C'est un vrai cauchemar. Ouais, bon. Au revoir. Moi, un cauchemar, j'appelle pas ça un cauchemar, personnellement. Bref, leçon de protocole. Donc, il y en a un qui est... Je me méfie des êtres éphémères. Gna 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 gna. Alors, on a donc là... On a donc... Là, c'est la sage. Quatre dignitaires. Ouais, le bon, le plus proche est celui-là, hein. Soyons fous, faisons-le. Voilà. Ah, il y a un maître de compétences ici. Attendez, je vais aller voir qui est ce maître de compétences. Voir ce qu'il propose, parce que ça pourrait être intéressant. Hein. Il est où? Content il est de vous voir. Ah. Ouais, ralentissement, super. Bon, ouais, j'ai pas encore formaté mon ordi, donc hein, les ralentissements, il y en a, alors, à tout de suite. Alors, monsieur... Bienvenue au verger du Lycium. Formation, je suis alchimie. Cassel. C'est non. Étrange de voir un mortel. En même temps, j'espère il vous fallait revoir. Pas que je pense que ce soit autre chose, parce que vu où on se trouve, c'était un petit peu vous obligé, pas pour quand explorer, même. Aïza. Bon allez, on va faire la quête, hein. Donc la première personne se trouve dans cette maison. Si mon ordi continue à faire les conneries qu'il fait là, c'est sûr que je vais pas faire beaucoup de... Bienvenue, mortel. J'espère que vous faites attention, étranger. Je ne voudrais pas que vous déchiriez votre peau. Beaucoup de vidéos, voilà, chercher même ma phrase, mais je l'écoute. Les mortels sont si curieux. Alors. Un autre intendant? Depuis quand les jardins d'Aïza sont-ils le théâtre de tant d'absurdités? Dans quel ordre? Moi? Eh bien, mon âge voudrait que je sois en tête de la procession, mais ma jambe m'empêche de prendre la place qui me revient. Je dois fermer la marche. J'irai jusqu'au trône de Titarion, même s'il me faut y aller en rampant. Bon, on va tenter ça, hein. Que ressentez-vous vraiment? La grande chasseresse Artwen doit ouvrir la marche et nous précéder. Elle est très pointilleuse et je ne voudrais pas la froisser. Quelle est votre préférence? Je comprends J'ai pas. J'ai vécu plus longtemps que tous les autres réunis et je suis donc plus lent. Je fermerai donc la marche. Merci beaucoup. Mais de rien. Bon. J'ai pas tout compris. Bon, ben lui, en fait, bon, il a un petit souci physique. Je crois que j'ai compris ça comme ça. Et mais il voulait quand même ouvrir la marche alors que ben il peut pas, il est trop lent, donc il va fermer la marche. C'est un truc comme ça. C'est une belle journée. C'est une belle journée. Ensuite, le monsieur qui qui voulait m'apprendre un truc totalement inutile. Bien le bonjour. Je suis le vicomte Setter, le grand prophète. Appartenez-vous à la salle des audiences? Dans quel ordre? C'est bizarre comme, en fait, comme phrase. Quel ordre? Peu me chaud votre ordre.
Ce sont les autres qui insistent pour des fadaises aussi frivoles. Néanmoins, si vous devez établir un ordre de marche, puis-je vous demander d'être placé derrière le seigneur de guerre, Weneri? J'apprécie beaucoup la grâce de son fessier. Oh oui, que ressentez-vous vraiment? Il serait préférable que Gornet soit placé loin derrière la grande chasseresse Artwen. Et s'ils viennent à se quereller, il ne sera pas aisé de les séparer. D'accord. N'oubliez pas, derrière Dame Weneri. C'est toujours un plaisir. C'est un peu pourri comme quête, hein, franchement. Même au niveau du scénario de la quête en elle-même, donc c'est pas intéressant du tout. C'est pas intéressant du tout. Alors attendez. Hop. Donc là, hop. On va aller, avant de changer de map, on va aller directement... Oh, des trucs verts. Oh, plein de trucs verts. Attendez, il y a plein de trucs verts. Ah, il faudrait que j'y aille, là. Il faudrait que j'y aille. Il y a des choses, hein. Il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses. Ah, bah, c'est une maison aussi, mince. Ah, il y a une quête tout en haut. Bon, bonjour. On va la récup, hein. Parti, hein. Qui là? C'est lui. C'est lui. J'espère que vous venez à propos du travail. La demande est plus forte que jamais, et je ne mais sais plus. Mais que faites-vous? Je fais fortune, voilà ce que je fais. Blablabla. Bla, bla. Ces touristes viennent nous voir, les poches oh remplies de trésors dont ils veulent bien se séparer. Un plan de génie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il parle encore derrière, ou... J'ai créé une épée. Une lame faée, bien sûr. Elle a l'air tellement authentique que tout le monde se l'arrache. Les touristes n'ont Dieu que pour une chose. Les souvenirs faés. Je l'ai appelé le glaive d'honneur. À vrai dire, il n'a rien d'exceptionnel. Au moins, il y a la voix qui passe. La fabrication est simple. Écoutez, trouvez des composants, forgez-en quelques-uns et je vous paierai. Ok. Donc là, petite pause, on va pouvoir profiter de remettre ça bien comme il faut. Allez, à tout de suite. Donc, j'aurais besoin un peu d'or. Fabuleux, tout simplement fabuleux. Ah, oh, vous avez l'œil pour les bonnes affaires. Il n'y en a pas beaucoup comme vous, Aïsa. Rapportez-moi les marques d'honneur lorsque vous les aurez forgées et je vous récompenserai en conséquence. Vous trouvez des composants. Vous devriez trouver des composants un peu partout en ville. Pour des créatures qui ne s'intéressent pas aux biens matériels, on peut... C'est entre vous et moi. La chance ne vous a pas souri. Rapportez-moi un petit quelque chose. Ok, bon. J'ai absolument rien compris ce qu'il faut faire, donc on va continuer la quête juste avant, là. L'ambassadrice Kin ne connaît pas de limite. Je viens de voir qu'il y a encore un mec de compétence. En fait, ici, c'est le bonheur, là. C'est bonheur, va chercher. Bien chercher bonheur. Encore une quête. Eh ben, dis donc. Il y a quand même pas mal de choses. Alors. Que pouvez-vous bien me vouloir? Bon, elle est moche, pourquoi vous voulez se mettre derrière lui? Je suis le seigneur de guerre Wenry, dame des Sables Rouges, et je ne souhaite pas être dérangée. Dans quel ordre? Je n'aime pas la mesquinerie, mais il y a des limites. Je sais que je dois ouvrir la marche de par ma position, mais d'autres individus plus sensibles voudront qu'il en soit autrement. Quoi que vous fassiez, je ne veux pas suivre le grand mage Faé Gornet. Comment vous dire? Il sent. C'est sympa, ça. Si vous tenez à votre poste, vous ferez en sorte que le seigneur Setter ne suive pas la chasseresse. Elle le méprise, tout comme moi. Je n'ai qu'une seule requête. Le seigneur Gornet doit marcher loin derrière. Je m'en rappelle même plus à qui j'ai Il parlé. Reste avec sa puanteur. Bien sûr, mais veillez à ce que ce... Pfff, va te faire voir, toi. Non mais oh, me parle meilleur. Que je vous bon, qu'est-ce qu'il faut faire, toi? Qu'est-ce que tu me proposes? Si vous voulez noyer vos chagrins au fond d'une bouteille, vous êtes au bon endroit. Bon, ensuite, mais si vous voulez de la bière de Victor, apprenez que nous n'en vendons pas au passage d'Asker. Je vous demanderai donc d'aller voir ailleurs. Et la bière de Victor, la bière la plus populaire d'Amalur. Enfin, Amalur. Avant la plus Amalur, mais c'est Amalur, la bière hein. D'Asker. Mais je reçois tous les jours des annulations. J'élabore avec mon frère une nouvelle boisson. Mais ouais. Dites donc, vous pourriez m'aider? Si vous le faites, je veillerai à ce que ouais. Les marchands d'Aïsa... De la partie, ah, voilà, là. Il faut remettre au goût du jour la cervoise d'Asker de notre grand-mère. Ouais. La recette nécessite des graines de langue soie, et en matière d'ingrédients rares, c'en est un de premier choix. Le problème, c'est que les faées surveillent l'utilisation de la langue soie, car elle pousse grâce à l'eau de la fontaine. Allez voir Jacques Hassen, leur apothicaire. Il pourrait nous trouver pas son temps au berger du Lycium dans le quartier d'Agresté. C'est un vieux loufoque toujours en train de concocter de nouveaux brevets. Okay. Bientôt. Est-ce que j'en ai ou pas? Ravi de vous voir. Vous allez bien? Non. Bonne chance.
Okidoki. C'est pas lui qu'il faut. Il faut vraiment suivre la quête. Donc. Ok, bon, bah, on va faire ces petites quêtes du jardin. On a l'impression qu'on n'a pas besoin de sortir. Donc, c'est bien. Vous ne resterez pas. Personne ne reste. Alors là, alors il y a 2 mètres de compétences ici. On va aller voir parce que moi je voudrais quand même trouver des bons compéteurs. Sans mauvais jeu de mots évidemment. Encore une quête. Oh là là, mais c'est pas possible. Alors où est-ce qu'il est le... Non, il est pas là. Monsieur. Ah, c'est toi que je veux voir. Alors qu'est-ce que tu m'apprends toi? Quel courage. Formation. Vous vous trouvez dans l'aile Varanine. Observation, de ça peut être pas mal. Ça. Peu de gens osent s'y aventurer sans y être convoqués. Je suis. Laissez-moi travailler. En quoi les Varanis peuvent-ils vous acheter un titre? Notre temps. Les Varanis autorisent l'achat de plusieurs titres utilisables dans les jardins d'Aïsa. Mais ils sont rares et doivent être portés avec le gardien des armes. Une longue histoire et de hautes responsabilités sont attachées à ce titre. Laissez-moi travailler. C'est très bien comme. Ok, donc là, on va voir ce que propose la quête. Alors, il faut faire ce qui doit être fait. Nous allons peut-être devoir ravaler notre fierté et tirer notre épée. Bon, vous directement devez être ce qu'il en est. Kitarion attend. Croyez-moi, nous en avons beaucoup. Blablabla. Ambassadrice des Doc Alpha auprès de la cour d'été des Faé. Je regrette que cette fonction soit... En quoi est-ce difficile? Il va se passer quelque chose. Ouais. Je ne peux en dire plus. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Je vous y attendrai. Ok. Le lieu est mal choisi. Au revoir. Eh ben dis donc. C'est une ville de tarés quand même ça. Ils ont l'air tous un peu tarés. Bon, ils sont tous un peu nobles aussi, donc ils doivent pas être bien dans leur tête là. Bon allez, on va vraiment continuer la quête là, parce qu'il faut quand même que je la finisse. Au moins je t'en prends une de moins. Ah mais c'est vrai qu'il y a un maître de compétences là-bas. Il y a un maître de compétences. Désolé, je perds du temps, mais si j'en trouve un qui m'augmente l'armurerie ou l'art des sages, mais je le fais volontiers. Donc là, il va y avoir une quête quelque part, j'imagine. Attention. Ah non. Alors, oh, c'est un armurier, mais il va me dire que je suis trop fort. Vous m'observez depuis assez longtemps. Qu'y a-t-il? Ah purée. Vous savez où me trouver. Vraiment dommage. Bon, allez, cette fois, on y va. Pour de vrai, promis, je ne fais plus de... Je ne fais plus de bêtises. Je fais les quêtes maintenant. Allez, il y en a pas mal à faire là en plus. Que l'Aïria vous touche de sa grâce. Que l'Aïria vous touche de sa grâce. Alors. Treis. Une nouvelle quête. 1 mètre de compétence, je vais pas voir. C'est pas possible, y a trop de quêtes là. C'est pas grave, on va toutes les faire. Vous le sentez, n'est-ce pas? Le flux de la fontaine qui se tarit. Vous connaissez la magie. Vous êtes comme moi, être éphémère. Vous sentez que la fin est imminente. Non. La fin de quoi? Voilà, très le bien. Le jardin d'Aïsa, de la cour d'été. Hélas, je le sais car je suis nommé maître de la fontaine, la source de la magie. Parle de disparition des jardins. Je l'ai vu couler à grands flots, mais je ne l'ai jamais. Nous devons agir avant que la ville tout entière soit réduite à néant. Je vais vous aider. Le flux de la fontaine est contrôlé à partir du verger du Lycium en bas. Nous devons ouvrir le système de racine et augmenter le flux de l'eau. Toutefois, la magie qui contrôle ce flux ne peut être utilisée que par certains. Elle est protégée par un sort connu sous le nom de Sceau des Flots. Ouais. Il ne peut être levé que par une personne portant des gouttes d'eau venant des 5 bassins. C'est quoi ce truc de malade? Mais c'est des trucs de malade ça. Récupérez ces gouttes et vous pourrez briser le Sceau des Flots. Que dois-je faire? Puisez l'eau de chacun des 5 bassins sacrés. Au revoir. Blablabla. Bon, il y a du boulot là, il y a du boulot. Mais moi, je vais continuer la quête qui se trouve ici. Bonjour.